Daniel Folio, je suis cadre technique national auprès de la Fédération de hockey sur glace. J'ai la charge des actions de développement et de détection pour l'ouest de la France, donc notamment la Nouvelle-Aquitaine. Ce week-end à Niort est organisé avec deux matchs, donc deux oppositions, des joueurs de l'ensemble des cinq régions de la partie ouest de la France qui vont s'opposer avec l'objectif pour nous d'en sélectionner 50%, donc 17 joueurs, pour le deuxième tour et avancer encore plus dans le processus de sélection avant l'équipe de France des moins de 16 ans masculine. C'est une nouvelle étape, enfin une première étape pour ces joueurs-là vers l'équipe de France et puis ben, forcément à terme aussi sans doute représenter l'équipe de France pour les JO de 2022 voire 2026 à Milan-Cortina. Le site de Niort rassemble l'ensemble des ingrédients dont on a besoin, une patinoire de qualité homologuée et puis des acteurs locaux très, très dynamiques qui nous aident dans l'organisation.